Bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Le Vinard pour le quinté de demain, mardi 5 novembre à Vincennes. Happy Danica gare à son finish. Voilà mes amis, mardi à Vincennes, attelé. 16 partants. Première course, prix d'Arcachon, 75 000 euros, attelée, course B, départ à l'Autostar, 2100 mètres, grande piste. Voilà. Le 1, Esteban Giel, déféré des 4 S-Bod, hangar disons, le plus âgé. Donc, notre quinté rassemble des vieux trotteurs, hangar, mâle, femelle de 7 à 10 ans. Le 2, Honky Tonk Bleu, déféré des 4, G. Gelormini, hangar 7 ans. Le 3, Félix Dubourg, déféré des 4, Eric Raffin, mâle 9 ans. Le 4, Astronaute, déféré des 4, Eflagadeug, mâle 7 ans. Le 5, Fonzi, Déré-Pré, déféré des 4, Lio Abrévar. Le 6, Heidik Gemma, déféré des 4, Berrochard. Le 7, Grindelwald, déféré des 4, Alexandre Abrévar, femelle 8 ans. Le 8, Heidi Darlene, déféré des 4, Enbazir. Le 9, Plaqué au 4, Agarando, femelle 7 ans. Le 10, Have 7, Garde Sefer, non déféré, El Boudouin, Hangar 7 ans. Le 11, Gilmour, Garde Sefer, Dédé Laroche, Hangar 8 ans. Le 12, Héros d'armes, déféré des postérieurs, plaqué aux antérieurs, T ouvré, mâle 7 ans. Le 13, Héros 6B, déféré des postérieurs, plaqué aux antérieurs, des bonnes hangars 7 ans. Le 14, Hanna, garde ses fers, girafestin, femelle 7 ans. Le 15, Girl de Bassière, déféré des postérieurs, Franck Nivard. Le 16, Ghostbuster, déféré des 4, Johan Le Bourgeois, hangar 8 ans. La distance, 2100 mètres, Autostar. Le conseil du professionnel Pierre Verquiz, voilà son pronostic, 8, 13, 6, 9, 4, 12, 2, 5. Repéré sur les pistes par nos reporters, Happy Danica numéro 9. Terrain probable bon, départ prévu à 13h55. Dernière minute, le 12. L'interdit du tiercé, Gelmour numéro 11, ferré ici. La synthèse du statisticien 6, 8, 13, 9, 15, 12, 7, 3. Voilà l'opinion du professionnel Pierre Verquiz. Dans ce quinté sur les 2700 mètres de la grande piste, je vois une première chance à aider Darling. En préparation le 31 octobre dans le prix des Cévennes en vue de cette épreuve où il sera spécialement déféré des 4 pieds. Héros CB, auteur d'une année sans faute, ponctué par 8 victoires et une deuxième place en 9 sorties. Et Aïdik Jima, d'une régularité de métronome et capable d'employer toutes les tactiques. Derrière ces trois bases solides pour vos jeux, je vous conseille de retenir Happy Danica, remarquable finisseuse, le 12 octobre à 15 sur 2475 mètres, après avoir longtemps musardé à l'arrière du peloton, ainsi que Astronaute et Héros d'armes. Héros d'armes, deux concurrents de classe qui ont réussi face aux meilleurs de leur génération avant de décevoir en raison de problèmes de santé. Enfin, Honky Tonk Bleu, en longeant le rail. Puis, Fonzie Déré-Pré, sage pour cette rentrée.
tenteront de profiter de la défaillance des trotteurs les plus en vue. Voilà quelques lignes sur le repéré par les reporters sur les pistes. Happy Danny Kalounef a fini comme une balle à la cinquième place le 12 octobre à Cannes sur 2475 mètres et évolue dans une catégorie dans laquelle il aura son mot à dire tout au long de l'hiver, comme l'a déclaré son entraîneur Alexis Garondo, un autre reporter Jonathan Caparo. Dernièrement, je savais que cela ne serait pas simple aux 25 mètres à Cannes. De ce fait, je me suis évertué à la maintenir à l'arrière-garde et à ne faire que la ligne droite. Il est clair que j'ai été très séduit par sa fin de course. Plus chanceuse, il aurait assurément donné chaud au premier. De bon augure pour le début du meeting. Je ne vais pas la déférer des quatre pieds cette fois. Je préfère attendre d'autres opportunités. Malgré tout, la jument réussit bien en étant plaquée des quatre. Avec ce numéro-là, il est hors de question de faire fort en partant. De ce fait, il faudra sûrement prendre le wagon de trois au cours du dernier kilomètre, à l'issue d'un parcours limpide. J'ai l'espoir de l'avoir joué les bons rôles. On continue, mes amis, avec l'opinion du vinard, les cotes, les performances, les entraîneurs. Voilà notre programme. On va essayer de le dominer. On va le réduire un peu pour pouvoir. Voilà les cotes. Le 1, 55, le 2, 18, le 3, 26, le 4, 14, le 5, 25, le 6, 7, le 7, 17, le 8, 6, le 9, 8, le 10, 70, le 11, 95, le 12, 11, le 13, 2, le 14, 90, le 15, 23, le 16, 35. Ben-Mari entraîne le 2 et le 3. Nbazir entraîne le 8 et le 10 ainsi que le 13, le 12, pardon. Le 12, le 10 et le 8. Voilà l'opinion du vinard. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Le 1, attention, pieds nus. Avait devancé Cache du Rive auparavant à Avranches. Le 2, notre outsider préféré, revient bien après un passage à vide. Le 3, en bout de combinaison. Besoin du bon parcours. Le 4, méfiez-vous en. Le 5, délaissé par Alexandre Abrevard, notre regret. Le 6, tout est ok, obligé de croire, va se plaire sur 2100 mètres. Le 7, sa distance ici, est un objectif, mais il faut qu'elle nous rassure. Le 8, pieds nus, priorité. Le 9, entraîneur optimiste, au mieux, tuyau. Le 10, garde ses fers, en rail. Le 11, va manquer de rythme et lutter contre des adversaires plus affûtés. Ferry, l'impasse. Le 12, son parcours de prédilection, va attendre et finir fort. Dernière minute. Le 13, base solide, peut employer toutes les tactiques. Loria, de oui, de ses 9 sorties cette année, toujours aussi bien. Le 14, difficile. Ferry peaufine sa préparation en vue d'un engagement sous la selle le 7 décembre à Vincennes sur 2175 mètres. Ferry, difficile.
Le 15, Valentin Subir avec le numéro 15 en deuxième ligne. À voir. Le 16 n'a pas changé de propriétaire. Sixième, le 11 octobre à Borély sur 2300 mètres. Pas simple. Le pronostic du vinard, je choisis une de base 12-13. On leur associe les outsiders tels que 9, 8, 6, 2, 4, As. Je choisis une de base 12-13. On leur associe les outsiders suivants 9, 8, 6, 2, 4, As. On continue, mes amis, avec page course par course. À la Vincennes, réunion 1, la corde à gauche. Deuxième course, dernière minute, le 14, repéré sur les pistes, le 10. 15 partant monté. La sixième course, dernière minute, le 4, repéré sur les pistes, le 8, 16 partant attelé femelle. Départ à l'autostart. La troisième course, dernière minute, le 14, repéré sur les pistes, le 12, 15 partant attelé femelle, 2200 mètres. La septième course, dernière minute, le 13, repéré sur les pistes, le 6, 16 partant attelé femelle. Course F, départ autostart 2100 mètres, grande piste. La quatrième course, dernière minute, le 10, repéré sur les pistes, le 13, 14 partant, montée, course D, 2175, grande piste. On continue, voilà, mardi à Bordeaux, le Bocast, réunion 3. Corde à droite, terrain probable plat, très souple. Obstacle, colon à très souple. Corde à droite, terrain probable, plat. Très souple. Obstacle, colon à très souple. La première course, dernière minute, le 4, repéré sur les pistes, le 1, 6 partant, plat. La cinquième course. Plat 11 partant, dernière minute le 2, repéré sur les pistes le 4. La deuxième course, dernière minute le 4, repéré sur les pistes le 3. Steeplechase, 3800. 6 partant. La sixième, plat, femelle, 1600 mètres, dernière minute le 13, repéré sur les pistes le 10, 16 partant. La troisième course, plat, dernière minute, le 2, repéré sur les pistes, le 1, 6 partants, 1400 mètres. La septième course, plat, 1400 mètres, 15 partants, dernière minute, le 3, absolue, repéré sur les pistes, le 5. La quatrième course, hey. 3900, dernière minute le 8, repéré sur les pistes le 2, 8 partants. La huitième course, dernière minute le 5, repéré sur les pistes le 4, plat, 1900 mètres, 14 partants. Voilà le pic 5, mes amis. Réunion 1, course 5. Attelée femelle, 2700 mètres, grande piste. 15 partant, dernière minute le 2, repéré sur les pistes le 7. Le pronostic du vinard, je choisis 12-7, outsider 5-9, 15-13-11-10. La synthèse du statisticien 15-12-9-7-13-6-5-10. Le conseil du professionnel Pierre Verquiz, voilà son pronostic 15-13-9-12-10-7-5-6. Réunion 1, course 8. Attelée, course des 2850 mètres, grande piste. 16 partants, dernière minute le 16, repéré sur les pistes le 2. Le pronostic du vinard, je choisis 2, 16, outsider 12, 11, 13, 14, 6, 9. La synthèse du statisticien. 12, 16, 6, 5, 2, 3, 4, 15. Le conseil du professionnel Pierre Verquis. Le pronostic 16, 2, 12, 11, 9, 14, 13, 15.
Mardi à Saint-Galmier, réunion 4. Corde à droite. Voilà le pronostic du vinard. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. La cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Voilà le conseil de Pierre Verquis. Bonne chance les amis, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.